Ladies and gentlemen, bonjour à tous, c'est Dark Evel et bienvenue pour un nouvel épisode de Flay for Flun saison 4. Nous avons réussi à obtenir nos premiers lingots, bien entendu, pour les Google Vision. Je vais quand même les prendre parce que la Night Vision me sera utile et notamment les attributs de l'armure qu'on a droppé quand même de la Nezengeic Armor seront utiles. Donc la Lunalus est bien, mais le problème c'est qu'il y a certaines propriétés de Kala qui ne me correspondront pas et qu'au bout d'un moment j'aurai besoin des Night Vision sans avoir besoin de ces armures. Parce que forcément, comme ça s'adapte à toutes les armures, c'est génial. Donc la Google Vision est mieux. Il nous faut de l'Hélicanium et l'Hélicanium va se trouver dans Barathos. Et pour aller à Barathos, il va falloir tuer soit des paladins, soit des paladins, enfin, comme vous voulez, ou des Bouncers. Les Bouncers qui se trouvent donc dans le portail qui se trouve dans Mysterium. Donc on est parti aujourd'hui pour Mysterium, bien entendu. Alors j'ai fait juste le tri dans mes affaires et on est parti. Hein. On va farmer pour récupérer donc ces petits trucs de dimension. Ce sera relativement simple, je pense. On garde cette armure quand même, on prend notre ticket et c'est parti. Du coup, oh, on n'a pas de waypoint, je dis ça, mais non. Nous on va partir directement. Jump. Alors c'est marrant, la Night Vision, je sais pas exactement comment elle s'active. C'est-à-dire que parfois elle active, parfois non. Généralement ça fonctionne, hein, mais bon. Hop là, voilà. Et donc je serais curieux parce que Barathos, c'est vrai que j'y ai jamais été. Et voilà, donc c'est un minerai qui est assez rare en plus dans Barathos. Donc super, ça nous donne l'occasion de pouvoir voyager. Je suis content parce qu'on exploite beaucoup ce mode. Alors c'est vrai que j'ai mis les autres modes de côté, mais j'y tenais parce que si c'est pour l'histoire de Fly for Fluns et qu'à un moment il faut bien falloir qu'on fasse, parce que Fly for Fluns pourra continuer sans Advent of Ascension, mais pour l'instant j'aimerais bien que ça continue. Ce serait quand même franchement cool. On va voir le Portal Master parce que je vois bien que j'ai fait une grosse faute, je l'ai pas appelé Portal Master. Bonjour monsieur, et donc il faut qu'on aille dans le Runador si je ne m'abuse. Je viens de couper au montage un éternuement de folie. C'était assez violent. Donc les paladins, on les a vus, ils étaient proches d'un donjon que j'avais trouvé l'autre fois. Alors, en plus, là, il n'y a pas besoin de Night Vision. Je tousse parce que mon ventilateur... Alors, on s'est téléporté directement au Chunk Head Boss. Hein. Vous savez, j'avais déjà trouvé ce petit donjon juste ici. Nous, on veut juste trouver des paladins. Donc, les paladins doivent se balader comme ça. Alors, je connais pas la résistance de l'armure de Lunalus, si elle est équivalente à celle de Nezengeic ou pas. J'ai pas fait une comparaison des armures, donc je ne sais pas. Il faut que je trouve des Bouncers et des paladins. Où est-ce que je pourrais en trouver le plus que des anges? Ça m'intéresse. Ah, voilà. Voilà, eux m'intéressent. Et donc... D'accord. Effectivement, ils sont ultra résistants. Putain, la vache! D'accord. Eh ben, j'espère que vous allez me le donner assez vite, hein. Putain, d'accord. Les Bouncers doivent être plus cool. Je pensais pas vous retrouver aussi rapidement. Ok, après, ils sont pas super ultra résistants. J'avoue que un petit troll ex, là, pour les ralentir à chaque fois, ça peut être pas mal. Bon, mais sinon ça va, on n'a pas trop à en craindre. Est-ce que je vais avoir ma dimension rapidement? C'est ça que je veux savoir en fait. Est-ce que ça va me prendre 10 ans ou pas? Ah, pour l'instant, j'aime bien les gemmes de Runador, là, sont très cool. Ok, donc en fait, il faudrait mieux que je remonte si je comprends bien. Parce qu'en fait, c'est... Oui, voilà, l'endroit est plus propice là. Voilà, là, il y a des bonnes chars partout, etc. Il y a pas mal. Putain, je commence à être en manque de bouffe, par contre. Il va peut-être falloir que je back avant. Je sais pas. Ah, c'est vrai que j'ai pas de... Ah, mais oui! C'est vrai qu'avec l'armure de Lunalus, je suis tranquille. En plus, je peux me soigner en sautant. Ah oui, c'est vrai que j'y ai pas pensé, ça. Alors, attends. Ah oui, je jump et hop, je regagne ma vie. Ok. Mais du coup, je suis bien, en fait. En fait, je suis super bien. Est-ce que t'es plus sensible à ça? Ouais, pas vraiment. Ça, on lui fait des dégâts de feu, en fait, parce que... Oh là 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 là. Donne-nous la dimension. C'est vrai que là, en fait, je peux faire ça et m'en battre totalement les couilles. Ouais, voilà. Ah, c'est génial. Ah, des Anima Master. Anima Master. Vous auriez dû faire le jeu de mots, là. Oh là là, il y avait un petit jeu de mots des familles à faire, là, qui aurait été pas mal. Allez, viens. Fais le pigeon. C'est un truc qui fait le pigeon. C'est un pigeon. Ping, ping, ping. Bon, tu me la donnes ma dimension ou quoi? Putain, t'as combien de taux de chance de me les donner? C'est bien un paladin ça, non? Je suis pas trompé. Ouais, les Bouncers, les paladins, ouais. Alors c'est pas toi. Toi par contre, non, toi tu m'intéresses pas. Enfin, toi tu drops juste un truc, mais je crois que je l'avais déjà droppé. Bon, je sais plus. Je sais plus si c'était tout sur toi que je l'avais drop ou si c'était sur autre chose. Mais si je ne m'abuse... L'abuse! Oui, ce sont des paladins, donc c'est bon. On est vraiment bien au bon endroit. Ah, on a trouvé une arme. Le Purity Charged Bullet Increased Knockback. Ah, c'est dommage, putain, c'est dommage.
Nique les licornes, ouais. Nique les licornes. Ouais, même ma super double spirale sur un paladin, c'est un peu nul, quoi. On dirait... On croirait qu'on est en train de faire une bataille de casseroles. Ding, 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 ding. Hop là, demi-cœur. Voilà. Tain, 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 tain. Faudrait essayer de refaire une musique avec ces braves gars, là. Ces braves types. Hey, brave type. Creo que... Il y avait les baratos. La baratosa de la démission. Il y avait la démission de baratosa. Hey, paradina. Il y avait la baratosa. Dame le paradosa. Dame la dimension. La dimension. Il y avait la dimension. Qu'est-ce que je t'ai dit? Il y avait pas de la mozzarella. Et il y avait la dimension des baratas. Bara. Baratos. Famille de la barate. La barate est un beurre doux. Légèrement sucré. Bon. Bon, 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 bon. Ah oui, d'accord, on a 2,5% de chance de dropper ça, c'est pour ça que je mets autant de temps, d'accord, ok. Bon bah je m'en étonne pas maintenant. Qu'est-ce que c'est que ça? What? Rune Randomizer? Je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air vachement cool. Oh, si c'est un truc pour me donner des runes aléatoires, ça peut être vachement cool. Allez, nouveau point. Le Rune Randomizer. Je serais pas venu pour rien, au moins. Je me balade depuis des heures, là. Toujours rien pour l'instant, mais on y croit. On y croit toujours. Toujours plus, toujours loin. Allez, les paladins. On va buter des paladins. Oui, ça y est. Deux trucs pour Baratos. Putain, comment c'est long. Putain, je vais faire un portail pour cette dimension, c'est obligé. Putain, si je dois revenir après, moi je me refais pas ça. Hein. C'est long, hein. C'est long de ouf, 2,5%. Putain. Oh merci les bunchers quoi. Oh la vache. J'ai pas vu à quoi servait le randomiseur. Du coup, il faudrait que je regarde vite fait deux secondes avant.
Ah ouais, donc c'est comme son nom l'indique, hein, c'est bien ça, des runes random, donc du coup ça peut être super super cool. Ok, donc des belles découvertes, ça tombe très bien. Donc maintenant qu'on a la dimension pour Baratos, on va faire un autre portail. L'autre portail, je sais pas où est-ce qu'on va le faire. C'est vrai qu'il faut trouver de la place encore une fois. Donc ça, on va voir. Hop, voyons voir un petit peu ce que l'on peut faire. Putain, la quête, tout ça pour des Google Vision, quoi. Eh bah franchement, hein, on les aura pas... On les aura méritées, celles-là, hein. Effectivement, il a la night vision là ne dure que le temps d'un saut pour 10 secondes et c'est tout. Donc là, je pense que je vais le mettre à droite là-bas, ce sera très bien. On va juste aller chercher de l'améthyste et ce sera parfait. Ping ! Ah merde, oh putain, ma flèche qui est partie vers d'autres cieux, j'avais complètement zappé ce détail. Hop là. Alors, donc du coup, il nous faut juste de l'améthyste. Est-ce que j'ai de l'améthyste ? C'est léger, c'est très léger ça. Hein. D'ailleurs, je sais plus avec qu'est-ce qu'on fait, comment on l'a fait déjà. Comment on l'a fait avec cette... Non, c'est pas de l'infusion blueprint qu'on veut, c'est de l'ancien téléporteur. D'accord, donc il nous faut juste un diamant, ça passe très bien. Ça passe très très bien. Hop, alors, file-moi juste ça et c'est parfait. Hop, on va ranger un petit peu tout ça en même temps. Et alors après, il va falloir qu'on trouve l'hélicanium. Donc ça, c'est pareil encore, c'est en plus un minerai qui est un peu rare. On verra où est-ce que ça nous mène. Oh, t'es chiant, toi. Donc là, les rumes random, on passera voir quand même, parce que ça peut être super cool. Alors oui, j'ai pris tous les matériaux nécessaires, c'est bien, mais si je les crafte pas, ça servira pas à grand chose. Hop, voilà, et voilà. Hop, comme ceci, on est parfait. Plutôt là, ce sera bien. Là, ce sera parfait, hein, puis au pire, on fera des téléporteurs comme ça, en chaîne, et puis voilà. Le jour où j'ai de la thune, je refais tout. Je retravaille tout à nouveau. Ok, parfait. Allez. 3, 2, 1, go. Pas tout à fait pareil la musique cette fois, enfin je crois. Music setting, d'accord, on est à 9, ok. Ouais, c'est bien. Allez, let's go donc à Baratos. La Baratosa, la Baratosa, la la li la li la la. Voilà, l'hélicanium, nous voilà. L'hélicanium, il nous en faut deux. Bon, c'est pas non plus le truc de ouf. Donc, logiquement, voilà. Ouais, Baratos. What? Il y a une tour dans une pyramide. Pourquoi il y a des pyramides partout? C'est chelou, ça, mettre des pyramides partout comme ça. Donc on a le portail, donc première chose à faire, n'oublions pas. Ok, waouh, c'est marrant comme map ça. Donc on va mettre portail. Ok, donc ouais, direct. Mais cette pyramide, je sais pas, j'ai l'impression qu'elle a un bug cette pyramide, parce qu'elle a l'impression qu'elle a tendance à popper partout. Ouais, parce qu'on entend exactement les mêmes bruits de monstres qu'il y avait déjà l'autre fois. J'ai l'impression qu'on a un petit fail. Alors, qu'est-ce que c'est? Oh, alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est Varzium. Alors je sais pas du tout à quoi ça peut servir, mais on va miner, hein. En plus on a Ast, ce qui est très bien. Ce qui est très très bien. À quoi tu sers ce Varzium? Ça sert à quoi? Donc invoquer ça. Ah d'accord, et une armure qui permet de consommer 25 énergie when hit to Mega Block. Ok, bah va falloir que je me renseigne parce que là clairement je ne sais pas. What? Quoi? Comment ça, je suis mort? Il s'est passé? Ah oui, genre, ok. What? Attends, j'ai pas compris, là. J'ai pas compris du tout ce qui s'est passé, là. Pourquoi je suis mort par magie? Il y a une condition spéciale dans Baratos? Oh là 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 là, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh putain, j'ai perdu tous mes levels, en plus. Non, pardon. Pourquoi je pars dans le Nether? Mauvais réflexe. Mauvais bail. Alors, effectivement, dans ces endroits-là, donc je suis mort plusieurs fois avant de comprendre, hein, c'est... Il y a un... What? Ah non, c'est pas dans ces endroits, c'est partout, en fait. Ah ouais. Ok, donc il va... Oh putain, donc il faut une armure pour Baratos. Putain, heureusement que j'ai créé un portail spécial. Ah non, mais alors... Oh putain... Ma vie est atroisement merdique. Donc là aussi, c'est comme pour l'autre, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, t'as un instant de dommage qui te pop sur la tronche.
si j'ai bien compris. Si j'ai bien compris, hein. Peut-être des bêtises, mais... Oh, la punition, quoi. Je me fais punir. Non mais what? Non mais sérieux? C'est quoi ce délire d'instant de dommage là? Et je contre ça comment? Bon attends, faut que je récupère mon stuff quand même. C'est pas possible là. C'est pas possible. Putain. Mais qui repart, allez, on y retourne. Oh putain, tu vas me dire que du coup, pour avoir mes Google Vision, il va falloir aller dans un endroit, puis dans un autre. J'aurais... Vite, vite, vite. Je suis passé. Oh sa mère. Oh putain, c'était chaud. Oh putain, ce que c'était chaud. Ok, donc je suis passé. Donc logiquement c'est ok. Ok. Bon, alors, bah du coup, faut que je vois ce qu'on a besoin, d'accord. Mais comment j'ai fait pour miner tout à l'heure, passer tranquille et puis et mourir après? C'est passé quoi entre les deux? Bah, faut que je regarde. Putain, fuck. Putain, je comprends pas, j'ai aucune explication du fait que je me prenne des damages. Y'a aucune explication. C'est que je m'approche et je meurs, mais je ne sais pas pourquoi. Y'a pas de raison. Je comprends pas. Est-ce que vous avez une explication? Parce que là, c'est pas l'armure du Voxpound. J'ai regardé toute la liste des armures, il n'y en a aucune qui protège ce genre de truc. C'est pas possible. Est-ce qu'il y a un ennemi dans le coin que je vois pas? Parce que moi, j'arrive, je me fais défoncer. Je m'en vais. Qu'est-ce qui pourrait nous tuer? Mais ouais. What? Mais je prends trop cher. Je peux rien faire, je peux pas sortir. Alors la pyramide, j'ai résolu en fait, parce qu'en fait il y a des pyramides dans chaque endroit où il y a des pyramides, donc j'en ai trouvé 3. Il y a des fragments de portail pour le dernier portail, justement un portail qui demandera 4 fragments. Donc il y a 4 donjons, il y en a partout, donc ça j'ai compris. Donc chaque endroit, il y a 4 dimensions qui disposent de pyramides comme ça, et à l'intérieur donc on a la possibilité de trouver un fragment. Et quand on rassemble les 4 fragments, et eh bien on obtient donc la... Et d'ailleurs j'ai la table qui permet de les réunir tous. Par contre, là je comprends pas, là je suis coincé, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je... je vais peut-être me permettre d'aller en créative parce que je comprends pas. Là, j'arrive pas à comprendre, faut que je comprenne. Le problème, c'est que quand j'arrive, je meurs. Donc forcément, c'est un peu compliqué de comprendre ce qui se passe. Donc je me mets en créative et on va voir ce qui se passe. Ah, attendez. Qu'est-ce? Ils sont costauds. En tant que je bouge pas, ça va. Qu'est-ce qui me tue? C'est ce sol qui me tue. Toutes mes morts ici là. Tout à l'heure j'ai pu me balader tranquillement. Ok. C'est le fait de jump? Le fait de courir? Tu crois que c'est ma régène? Putain, ça se trouve c'est ma régène. Qu'est-ce? Bah là tout va bien. What? J'ai absolument rien compris. C'est ces grosses bêtes qui font aussi mal? Pas compris, je comprends pas. Ça vient, ça se trouve, il y a un boss là-dedans et il me défonce. Ok, ouais, voilà, ils sont pas aussi agressifs que ça, donc je comprends pas. Bon, c'est peut-être calmé, je sais pas, j'ai pas compris. Aucune raison, je sais pas. Alors, du coup, je suis un peu dans la compréhension. Je vous avoue que là, je suis en mode, mais quoi? Alors, en fait, je m'attends à mourir à chaque instant, ce qui me fait un peu chier parce que je perds tout mon XP. Est-ce que c'est eux qui font aussi mal? Genre c'est comme des stations radar et quand tu t'approches trop ils te font des dégâts magiques. Sous le mec que j'ai tué tout à l'heure, c'était ça? Si je me rapproche trop. Oh putain c'est ça. Oh putain c'est ça. D'accord, j'ai compris. Bon j'ai pas mis le game mode créatif, vous voyez, j'ai été gentil. Mais faut comprendre ça aussi, putain, d'accord. Ces gros trucs sont comme des radars et dès que tu passes dans leur rayon, bim, tu meurs, d'accord. Oh, ah ouais la vache. Ah ouais d'accord, ça déconne pas Baratos, c'est genre ok. Et le problème c'est que ça se trouve il y en avait eu un au-dessus de ma gueule. Du coup, quand je suis arrivé, bim, je l'ai pris en pleine tronche. Ah ouais. What the fuck, quoi. Le truc de ouf. Oh putain. Bah, on n'est pas prêt d'avoir... On n'est pas prêt d'avoir gagné. Hein. Oh mais putain, mais c'est impossible leur truc, quoi. Sérieux. Mais tu veux faire quoi? Oh la vache. Les mecs avec ses 4 coeurs de dégâts, en plus, c'est ultra violent. Oh là là. Ouais, bon, je savais pas, messieurs, dames, je savais pas. Oh, c'est rageant comme truc, attends, les machins, quoi. Genre, vous ne passerez pas, oh, t'es mort. Bah, putain, mais si ça te pop dans la tronche, genre comme ça,
t'es foutu quoi. Ça, c'est chaud. Alors il y a l'underground. Alors on va peut-être s'éloigner du rayon des trucs. Alors peut-être qu'ils me font plus mal. Parce que donc il y a tout simplement au fond. Alors si je me prends des dégâts dans le sous-sol à cause de ça, franchement par contre j'arrête. Alors un parasect. Un parasect, d'accord, c'est un Pokémon ça. On est d'accord. Alors, j'ai trouvé un parasect. Marrant. Par contre, il n'y a pas la même tête. Enfin, le parasect est plus sympa, quoi. Pas d'évolution. Je trouve un parasect. Alors, parce que donc, dans l'underground se cache un mystère. Il y a donc un endroit avec donc une zone où il y a du feu partout. Alors, j'ai le fire résistance, donc ça va. Alright, j'ai trouvé. Oh oui, j'ai trouvé les lélécanium. Yeah. Ouais. On a de lélécanium, les amis. Lélécanium qui nous permettent de faire. Et même ça aussi, d'accord. Consume 25% one hit to mega block. C'est quoi ça? Ah, regardez, putain, on a trouvé. Oh oui, on est dans une zone là. Attention, ça déconne pas. Alors, ici, c'est une zone de feu. Donc là, plutôt privilégier le fall damage, on va privilégier le fire résistance de base. Donc c'est bien d'avoir plusieurs armures, hein. Vraiment, là, pour le coup. Putain, on est quoi? Quand on a ça, on a quoi? La nausée. D'accord, pourtant, je la sens pas. Je sais pas si c'est la night vision ou pas, mais je m'en bats les couilles, en fait. C'est vrai, ça? Bizarre. Ah oui, d'accord. Je préférais la... Ok, alors soit on y va aux torches, soit on y va comme ça. Ouais. Wow, putain, la fourmilière, quoi. Ah, c'est quand même plus intéressant comme ça. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? C'est quoi? C'est du varzium encore. Ok. Bon, il faut descendre plus bas, hein, parce qu'il y a vraiment un... Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Du baronite. D'accord, putain, il y a du minerai ici. Ok. Le baronite. J'entends des méchants. Bon, avec cette armure, logiquement, on est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on peut... Ok, donc on a un truc de feu. Alors, je me rappelle plus si je suis complètement immunisé au feu ou pas. Ou si je prends quand même des dégâts. Ah, il y a un parasect dans le coin. Ouais. Bon, toi, tu me diras quand tu me mettras la nausée. J'ose pas aller dans le feu. Bon, on le saura bien assez tôt. On va sûrement se faire pousser ou quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce... Du blasium. D'accord. C'est dangereux ce que je fais là. C'est dangereux! C'est trop dangereux! Hop! Bon, bah ça a l'air d'être ok. Du blésium or. Alors, le blésium, j'en avais vu parler. Le blésium, qu'est-ce qu'on fait avec le blésium? On fait ça, d'accord. Oh, d'accord. Ok, des trucs avec des ballons, très bien. Oui, on atteint un autre niveau là. Des armures en ballon, ça. Ouais. Ok. Ok. Aïe! Alors, effectivement, je... Ok, oui, je ne brûle pas, mais dans la lave, je vais quand même prendre un peu de DPS. Ouais, bon, bah, ça va. C'est une bonne armure, quand même, ça s'adapte. C'est pas la meilleure armure, mais ça permet de tenir. Donc, j'ai bien fait de la prendre, quand même, avec moi. On est quand même beaucoup plus safe comme ça. On aurait pu prendre un seau d'eau aussi, mais bon. J'avoue qu'un seau d'eau, là, au final. Mais bon, je m'y attendais pas. Je savais pas du tout à quoi m'attendre dans cette map. Et du coup, là, bah, c'est bien. C'est bien. Alors qu'est-ce qu'on va trouver d'autre? Ça a l'air d'être... ici ça a l'air d'être le blasium tout le temps. Ouais, blasium or, ok. C'est le truc le plus bas. Bon bah ça fait pas mal de minerais, hein. C'est bien. Et pour revenir à la surface, je te dis pas, tu te plantes, tu te prends direct de l'instant de damage, quoi. Ça va être sympa, ça aussi. On va rigoler, hein. Ah, pour le coup là, on va rigoler. Alors... Moi je vais faire un waypoint, donc new, et je vais l'appeler donc underground. Voilà, parce que j'ai la flemme, si jamais on a besoin de revenir ici. Voilà, je pense qu'on a déjà regardé à peu près tous les minerais possibles. Hop. Alors bien sûr, après il faut les farmer en grande quantité. On verra de quoi on a besoin. Pour l'instant, j'ai eu les canyons avec ma night vision.
Et je vais continuer de me balader sur Grécon. Grécon, c'est ça que je voulais au départ. Donc on va aller à Grécon. Grécon. Inaccessible. Bon, est-ce que vous aussi, quand je m'approche, vous allez me défoncer? Chose à savoir, attendez. Je sauve mon inventaire parce que là, je crois que je vais avoir la flemme. Si je meurs. Non. Bon, tu ressembles juste à une énorme bite, hein. Clairement, enfin, je veux pas te vexer, hein. Je veux dire, moi, je suis pas là pour ça, clairement. Je veux dire, bon, on se connaît pas. Mais tu ressembles vraiment trop à une bite, quoi. C'est juste ça. Bon, bon, après, voilà, c'est, on est tous nés un peu différents, hein. Je veux dire, voilà. Mais là, là, c'est chaud quand même. On peut se le dire, t'as quand même une sacrée tête de bite. Là, voilà, je l'ai dit, excusez-moi, ça me tenait à cœur, mais vraiment, là, le mec, il a pensé à quoi quand il a créé son mob? Clairement, il a pensé à quoi? Vous allez me dire que ce mec, bon, qui est sûrement un gamer, qui programme, qui connaît tout, qui sait que dire bite dans une vidéo, je veux dire, tu le dis tout le temps, tu crois que le... Non, c'est pas possible, le gars l'a fait en sachant ça, c'est obligé. Ce mec-là a dit, imagine, on met un phallus, et sur le phallus, on lui met des yeux, avec une antenne, comme ça on dirait pas un phallus. Mais c'est un phallus. Et ça a fonctionné! Hein? La guerre des phallus! Oui, c'est la guerre des phallus! Me piétinez pas avec vos énormes couilles, s'il vous plaît, monsieur! Je tiens à rester vierge. Ok, vous avez droppé des trucs intéressants, au moins? Non, même pas, même pas, même pas. J'ai pas eu le temps, dégage et dégage. Bon, très bien. Alors, en attendant, pour l'instant, c'est beaucoup trop dangereux ici, clairement, et de toute façon, j'ai eu ce que je voulais, donc on va pas faire la fine bouche, on va se casser, tant pis pour le donjon, je verrai plus tard. Je trouverai des armes plus costauds, ou des potions, ou des, je sais pas, des trucs, en tout cas, ça ira mieux. Allez, pour l'instant, la chose qui nous intéresse, ah, attends, parce que toi, depuis tout à l'heure, à chaque fois que je meurs, en fait, ce truc-là m'attend. En fait, à chaque fois, c'était genre la mission, à chaque fois que je mourrais, c'était d'esquiver ce putain de piaf. Jim, jam, 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 jam. Yeah, pas mal. Alors, on veut ça. On veut ça, ensuite on veut un four, et donc dans ce four, on va y sortir donc les lécaniums. Les lécaniums, voilà, hop, hop. Voilà, et on va y faire fondre aussi donc, tous les autres trucs, genre le varsium. Varsium. Hop, voilà. Alors, j'ai une petite... alors, ça se met... Ouais, ça se met là-dedans, ok. Je me demandais si ça se mettait... Je savais plus où ça se mettait. Et ça se met là-dedans. Et je dois avoir autre chose encore. J'ai drop. Ah non, j'ai dû m'en débarrasser. Ok, alors, pouf. Il me faut des lécaniums. Voilà, les caniums, et donc le craft que vous avez sélectionné aujourd'hui, 3 élecaniums, 3 élecaniums, 3 élecaniums, 3 élecaniums, et 3, ok. Donc ça se passe comme ça, et 3 lunar ingots. Putain, c'était long, ça m'a pris 2 épisodes pour faire ce que je voulais, hein. Quand même. Et donc, alors ça c'est Grand Snart Vision, stack with any armor set. Wow! I'm fucking ugly. What? Ah oui, genre... Quand tu mets ça, t'as une sorte de vision chelou. Ah ok, si j'enlève. Vas-y, enlève-toi. Ok. Oui, d'accord. Donc, oui, effectivement. Waouh. D'accord. D'accord, ça me fait tout un paysage vert. Très bien. Alors, bon, par contre, si je fais ça... Je sais pas, parce qu'en fait, ça régène quand même quand tu jump, donc c'est quand même assez cool, quoi. Hop. Voilà. Voilà. Il faudra que je vois un petit peu comment je veux faire. Parce que là, du coup, je peux stacker les choses, donc ça, c'est bien. Ça s'adapte à tout, donc j'ai une night vision perpétuelle. Donc, plutôt cool, plutôt cool. Ok. Bon, eh ben, écoutez, je crois qu'on verra ça dans le prochain épisode. Merci à tous d'avoir regardé. En tout cas, nous avons obtenu, de petites lunettes. Hein. Je me suis enfin... Je suis en vert. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. On se dit à la prochaine, du coup, pour de nouvelles aventures d'action, de fun, de fail et de folie. Je suis professeur Darkhaven. Salut.